Bonjour, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la doctrine secrète d'Elena Blavatsky et je vais vous partager un extrait de l'ego humain. Imaginez-vous, par exemple, l'essence unique, homogène, absolue et omniprésente située au-dessus de l'échelon supérieur de l'échelle des sept plans des mondes est prête à commencer son voyage évolutif. À mesure que sa réflexion corrélative descend, elle se différencie et se transforme d'abord en matière subjective, puis en matière objective. Appelons-la à son pôle nord, lumière absolue, à son pôle sud, qui pour nous serait le quatrième échelon, ou plan moyen, en commençant d'un côté ou de l'autre, nous la connaissons au point de vue ésotérique comme la vie une et universelle. Remarquez bien la différence. En haut, lumière, en bas, vie. La première est à jamais immuable, la dernière se manifeste sous les aspects d'innombrables différenciations. Suivant la loi occulte, toutes les potentialités qui sont comprises dans le supérieur deviennent des reflets différenciés dans l'inférieur et suivant la même loi, rien de ce qui est différencié ne peut se mélanger à ce qui est homogène. Ensuite, rien non plus ne peut durer de ce qui vit, respire et a son être dans les vagues bouillonnantes du monde ou plan de la différenciation. Ainsi, Bouddhi et Manas, étant tous deux des rayons primordiaux de la flamme unique, le premier comme véhicule ou padi ou vana de l'essence unique et éternelle, le second comme véhicule de maat ou de l'idéation divine, maa, bouddhi, dans les puranas de l'âme universelle intelligence, aucun des deux ne peut comme tel s'éteindre ou être annihilé ni en essence, ni en conscience. Mais la personnalité physique, avec son linga sarira, et l'âme animale, avec son kama, le peuvent et le font. Ils naissent dans le royaume de l'illusion et doivent s'effacer comme un nuage dans l'éternel ciel bleu. Celui qui a lu ces volumes avec un certain degré d'attention doit connaître l'origine des égos humains appelés génériquement monades et savoir ce qu'ils étaient avant d'être forcés de s'incarner dans l'animal humain, les êtres divins que leur karma conduisit à jouer un rôle dans le drame de la vie. Manvantartharik sont des entités appartenant à des mondes et à des planètes supérieures et plus anciens et dont le karma n'est pas encore épuisé quand leur monde entra en pralaya. Tel est l'enseignement, mais qu'il en soit ainsi ou non, les égos supérieurs sont, si on les compare aux formes composées de poussière terrestre transitoire, que nous sommes des êtres divins, des dieux immortels durant tout le corps du Maya Manvantara ou durant les milliards d'années que dure l'âge de Brahma. Et de même que les égos divins pour redevenir l'essence unique ou pour être abordés de nouveau dans l'AUM doivent se purifier au feu de la souffrance et de l'expérience individuelle. Les égos terrestres, les personnalités doivent aussi en faire autant s'ils veulent participer à l'immortalité des égos supérieurs. Ils peuvent atteindre ce but en broyant eux-mêmes tout ce qui ne profite qu'à la nature personnelle inférieure de leur moi et en aspirant à transfuser leurs principes pensants karmiques dans celui de l'ego supérieur. Nous, c'est-à-dire nos personnalités, devenons immortels par le simple fait de greffer notre nature morale pensante sur notre triple monade divine, Atma, Bouddhi, Manas, les trois en un et l'un en trois aspects. En effet, la monade manifestée sur la terre par l'ego incarnant est appelée l'arbre de la vie éternelle
dont on ne peut approcher qu'en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ou de la gnose, de la sagesse divine. Dans les enseignements ésotériques, cet ego est le cinquième principe dans l'homme. Mais l'étudiant qui a lu et compris les deux premières instructions en sait un peu davantage. Il n'ignore pas que le septième n'est pas un principe humain, mais un principe universel auquel l'homme participe. Tous les atomes physiques et subjectifs participent également de ce principe, de même que chaque brin d'herbe et que toute chose qui vit ou existe dans l'espace, qu'elle en ait conscience ou non. L'étudiant sait en outre que si l'homme, qu'elle en ait conscience ou non, l'étudiant sait en outre que si l'homme est plus étroitement rattaché à ce principe et qu'il, s'il s'assimile avec 100 fois plus de force, c'est simplement parce qu'il est doué du plus haut état de conscience qu'il soit sur terre. Bref, parce que l'homme peut devenir un esprit, un déva ou un dieu lors de sa prochaine transformation, tandis qu'une pierre, un végétal ni un animal ne le peuvent avant d'être devenus au préalable hommes à leur tour. Quelles sont donc les fonctions de Bouddhi? Sur ce plan, il n'en a aucune, à moins d'être uni à Manas, l'ego conscient. Le rapport entre Bouddhi et la divine essence mère est la même que celui qui existe selon l'école Vedantine entre Mula Prakriti et Parabrahman, ou encore Alaya, l'âme universelle de l'unique esprit éternel, ou ce qui est au-delà de l'esprit. C'est son véhicule humain d'un degré inférieur à cet absolu qui ne peut avoir aucune sorte de support et de rapport avec ce qui est limité et conditionné. Et encore, qu'est-ce que ce mana et quelles sont ses fonctions? Sous ses aspects purement métaphysiques, Manas, bien qu'inférieur à Bouddhi, d'un degré sur le plan descendant, est encore si incommensurablement supérieur à l'homme physique qu'il ne peut entrer en rapport direct avec la personnalité sauf par son reflet, le mental inférieur. Manas est par lui-même la soi-conscience spirituelle et il est la conscience divine lorsqu'il est uni à Bouddhi qui est le véritable producteur de cette production. Vikara ou soi-conscience par l'intermédiaire de Mahat. Par conséquent, Bouddhi Manas est absolument inapte à se manifester durant ses incarnations périodiques, sauf par l'entremise du mental humain ou Manas inférieur. Ils sont rattachés l'un à l'autre, inséparables, et ont ainsi peu de rapport avec les Tanmatras inférieurs ou atomes rudimentaires que l'homogène en a avec l'hétérogène. Le manas inférieur ou personnalité pensante a donc pour tâche, s'il veut se fondre dans son Dieu, l'ego divin, de dissiper, de paralyser les tantmatras ou propriétés de la forme matérielle. C'est pourquoi manas est représenté comme double, comme ego et mental de l'homme. C'est kama manas ou l'ego inférieur qui, trompé par un sentiment d'existence indépendante comme étant à son tour le producteur et le souverain des 105 tantmatras, devient l'égoïsme, le soi égoïste, auquel cas on doit le considérer mahabouddhique et limité en ce sens qu'il se rattache à Ahamkara, la facilité personnelle créatrice du je. Aussi Manas doit-il être considéré comme éternel et non éternel, éternel dans sa nature atomique, Paramanyu Rupa, en qualité de substance éternelle, Dravya, limité, Kariya Rupa, lorsqu'il est rattaché comme Dyad à Kama, désir animal ou volition humaine égoïste, bref, une production inférieur. En conséquence, tandis que l'ego individuel, en vertu de son essence et de sa nature, est immortel durant toute l'éternité avec une forme rupa qui persiste durant tous les cycles de vie de la quatrième ronde, son sosie ou son image, l'ego personnel doit conquérir son immortalité.
Antakarana est le nom du pont imaginaire, le sentier qui unit l'ego divin et humain, car ce sont des égos durant la vie humaine pour redevenir un ego en Devakant ou Nirvana. Cela peut paraître difficile à comprendre, mais en réalité, à l'aide d'un exemple familier bien que fictif, cela devient très simple. Figurons-nous une lampe brillante placée au milieu d'une chambre et projetant sa lumière sur le mur. Supposons que la lumière représente l'ego divin et la lumière projetée sur le mur le manas inférieur. Et imaginons-nous que le mur représente le corps. La partie de l'atmosphère qui transmet les rayons de la lampe au mur représente alors Antakarana. Nous devons en outre supposer que la lumière ainsi projetée est douée de raison et d'intelligence et possède de plus la faculté de dissiper toutes les ombres mauvaises qui passent sur le mur, d'attirer à elle tout ce qui brille avec éclat et d'en recevoir les impressions indélébiles. Or, l'ego humain possède le pouvoir de chasser les ombres ou péchés et de multiplier les côtés brillants ou les bonnes actions qui produisent ces impressions et d'assurer ainsi par l'entreprise d'Antakarana sa liaison permanente et sa réunion finale avec l'ego divin. Souvenez-vous que cette réunion finale ne peut se produire tant qu'il reste la moindre trace terrestre ou la moindre trace de matière dans la pureté de cette lumière. D'autre part, la liaison ne peut être entièrement rompue et la réunion finale empêchée tant qu'il reste un acte ou une potentialité spirituelle pour servir de fil d'union. Mais dès l'instant où cette dernière étincelle s'éteint, où la dernière potentialité est épuisée, la séparation définitive se produit dans une parabole orientale. On compare l'ego divin au maître qui envoie ses ouvriers pour cultiver la terre et rentrer la récolte, mais qui conserve le champ tant qu'il n'en peut en tirer profit, si petit qu'il soit. Mais lorsque la terre devient absolument stérile, non seulement elle est abandonnée, mais encore l'ouvrier, le manas inférieur, périt. D'autre part, cependant, si nous continuons à employer la même comparaison, lorsque la lumière projetée sur le mur ou l'ego humain rationnel atteint un degré de réel épuisement spirituel, l'antakarana disparaît. Aucune lumière n'est plus transmise et la lumière cesse d'exister pour le rayon. La lumière qui a été abordée disparaît, absorbée disparaît graduellement et l'éclipse de l'âme se produit. L'être vit sur terre et passe ensuite en Kamaloka, comme un simple amas de qualités matérielles qui ont survécu. Il ne peut plus continuer son chemin jusqu'en Devakant, mais renaît immédiatement comme un animal humain ou un fléau. Cette comparaison, si fantastique qu'elle soit, nous aidera à comprendre l'idée correcte. En dehors de la fusion de la nature morale avec l'ego divin, il n'y a pas d'immortalité pour l'ego personnel. Il n'y a que les émanations les plus spirituelles de l'âme humaine personnelle qui survivent. Nous voyons donc que l'Antakarana a été détruit avant que l'homme inférieur n'ait eu l'occasion de s'assimiler le supérieur et de ne plus faire qu'un avec lui. Et il en résulte que l'âme karmique devient une entité séparée et appelée à vivre désormais durant une période courte ou longue, suivant son karma, en qualité de créature sans âme. Avant de traiter cette question, je dois expliquer plus clairement la signification et les fonctions de l'Antakarana. Comme on l'a déjà dit, il est représenté par un étroit pont qui relie le manas supérieur au manas inférieur. Si vous consultez le glossaire de la voix du silence, vous verrez que c'est une projection du manas inférieur, ou plutôt le lien qui existe entre ce dernier et l'ego supérieur, ou entre l'âme humaine et l'âme divine ou spirituelle. À la mort, il est détruit en tant que sentier ou moyen de communication, et ses restes survivent comme Kamarupa, la coque. Et c'est elle que les spirites voient parfois apparaître durant leur séance comme forme matérialisée et qu'ils prennent sottement pour l'esprit des défunts. Il est si loin d'en être ainsi que la personnalité n'est qu'à demi éveillée pendant les rêves, bien qu'Antakarana soit présent
aussi dit-on quant à Karana, et ivre ou fou durant le sommeil normal, s'il en est ainsi durant la mort périodique ou sommeil. Du corps vivant, on peut se faire une idée de ce qui doit être la conscience de l'Antakarana lorsqu'il a été transformé en Kamarupa à la suite du sommeil éternel. Enfin, ayez toujours présent à l'esprit que tout en ne voyant aucun maître à votre chevet et en n'entendant aucun son murmuré dans le silence de la nuit tranquille, le saint pouvoir est cependant autour de vous. La sainte lumière brille aux heures de vos aspirations et de vos besoins spirituels, et que ce ne sera pas la faute des maîtres ou de leurs humbles porte-paroles et servantes, si par perversité ou faiblesse morale, certains d'entre vous se séparent de ces puissances supérieures et s'engagent sur la pente qui conduit à l'Avicii. L'astral et le mental réagissent mutuellement l'un sur l'autre. La signification du passage des Upanishads, où il est dit que les dieux se nourrissent des hommes, c'est que l'ego supérieur obtient son expérience terrestre à l'aide de l'ego inférieur. Adonai, Adonai, Adonai. Merci de votre attention. Je vous dis à tout bientôt.